Vite, tu as 5 secondes pour liker cette vidéo et tu pourras débloquer tous ces V-Bucks sur ton compte Fortnite. Donc pour débloquer tes V-Bucks gratuitement, dépêche-toi de liker cette vidéo. Bon, aujourd'hui les potes, exceptionnellement, il y a des cadeaux à gagner sur cette vidéo. Parce que oui les potes, il y a justement le skin Raycon Expert qui vient de faire son retour. Du coup les personnes qui voudraient participer, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à liker cette vidéo. Dès que cela est fait les potes, il faudra aussi vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Je compte vraiment sur vous. Et dès que cela est fait, vous aurez juste à commenter votre pseudo Epic Game. Bien sûr les gars, le spam est autorisé, donc vous pouvez mettre plusieurs fois votre pseudo Fortnite. Du coup les gars, je répète les conditions: il faut liker, vous abonner et activer la cloche des notifications et commenter votre pseudo Fortnite pour tout simplement que je puisse du coup vous offrir un petit cadeau, et c'est à dire du coup les gars le skin Raycon Expert. Donc ça c'est juste ouf. Du coup les gars, aujourd'hui les potes, on va parler de pas mal de choses, dont du coup les gars les modes gratuits que vous allez pouvoir récupérer pendant l'événement. Et vous allez voir les potes, vous inquiétez pas, je vais directement tout vous expliquer parce qu'il faut vraiment récupérer cette émote gratuite sur votre compte Fortnite. Du coup restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce serait vraiment les gars dommage justement du coup de partir sans récupérer votre récompense. Du coup les potes, vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo. Et bien sûr les gars, ce n'est pas une blague, vous allez par bel et bien récupérer votre émote gratuite. Du coup les gars, pour commencer cette vidéo, on va directement parler d'un petit skin qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Du coup les gars, c'est un skin assez parent parce que tout simplement les gars, ce sera logiquement un skin qui sera là pour protéger la machine de Doomsday. Et du coup les gars là, vous voyez directement à l'écran, c'est l'agent Dionysi. Et tout simplement les gars, du coup ce petit skin logiquement devrait arriver donc simplement sur Fortnite. Donc c'est pas réellement un skin mais c'est plutôt un robot. Et tout simplement pour ceux qui se demanderaient, on l'a aussi trouvé les gars directement en 3D dans les fichiers du jeu, et je vous montre directement une petite vidéo qui le présente. Et comme vous pouvez le voir, il est assez stylé. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce petit skin Dionysi agent. Parce que franchement il est assez stylé, puis assez marrant, parce que du coup les gars, pour ceux qui ne sauraient pas, le skin Dionysi est un skin du coup Bambi du chapitre 1, donc un skin par défaut. Et franchement les gars, là en version agent, il a un petit flow. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite les potes, je vais directement vous montrer tous les sons qu'on a pu trouver dans les fichiers du jeu qui montrent justement du coup l'événement. Et vous allez voir les potes, c'est juste ouf. Du coup vous allez écouter toute cette bande son et on se retrouve juste après. Donc écoutez bien tout parce que les potes, il y a vraiment énormément de bruit qu'on peut reconnaître et justement qui nous montre que ça va être un événement juste énorme. Et vous allez voir les gars, vous inquiétez pas, de toute façon je vous laisse directement avec les sons.
Donc voilà les gars, comme vous aurez pu l'entendre justement à cette vidéo, on peut directement comprendre qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc déjà les gars, des fois on peut entendre du coup un skin qui parle, et on peut du coup les gars entendre pas mal de bruit. On dirait vraiment les gars du coup que voilà, ça va être un petit peu l'apocalypse, comme du coup les gars le nom l'indique, parce que c'est l'événement de l'apocalypse, c'est l'événement Doomsday. Et tout simplement les gars, Doomsday, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apocalypse. Donc c'est pour ça que du coup les gars, ça va être un petit peu apocalyptique quand on va voir du coup un petit peu tout ce qui va être détruit. Parce que pour les personnes qui ne le seraient pas, et bah tout simplement les gars, l'agence va totalement être cassée. Et vous inquiétez pas les potes, je vais directement vous en parler dans quelques instants. Mais avant les potes, je voulais vraiment tout vous révéler sur qu'est-ce qu'on sait sur simplement l'événement, comment ça va se passer. Donc c'est vrai les gars, les effets qu'on va avoir, parce que des fois les gars on se fait propulser en l'air, des fois on a des choses comme ça. Et bah les gars, là on a trouvé pas mal de choses dans les fichiers du jeu, et je vais directement tout vous montrer les potes. Donc bien sûr c'est un petit peu des spoilers, donc c'est pour ça les gars, ceux qui veulent pas être trop spoilés, bah il fallait pas cliquer sur cette vidéo. Parce que oui les potes, là on va parler de tout ça. Du coup les gars, je vous montre directement ça à l'écran. Comme pour le reste, les gars, on va avoir un impact de l'énergie qui a été justement localisé. Donc on sait que ça va être donc dans les eaux justement du coup de l'agence. Ensuite les gars, on pourra du coup avoir l'effet de la pierre de gravité. On aura aussi les gars beaucoup de fumée qui sera du coup sur le sol. Donc bien sûr les gars, on a déjà pas mal de nuages qui sont en l'air. Donc ça va préparer les gars une tempête, comme c'est écrit les gars. On aura du coup les gars de sa plan. Donc en fait on sera dans la tempête, donc on sera dans la zone de Fortnite. Du coup les gars, bien sûr on perdra pas de vie, mais on aura du coup les gars l'effet. Ensuite les gars de sa plan, on aura comme un genre d'éclair, donc des orages en fait qui vont se passer. On aura du coup de la pluie qui va s'ajouter. Ensuite les gars, on aura plus de pluie, et on sera du coup les gars en dehors de la tempête, et on aura justement un impact avec l'eau. Du coup les gars, ce sera sûrement un tsunami, et on aura du coup avoir du coup bah voilà l'agence qui sera un petit peu immergée. Parce que du coup les gars, pour ceux qui ne le sauraient pas, la saison 2 du chapitre 2 était justement sur le thème un peu de l'or. Mais là les gars, du coup pour la saison 13, ça sera tout simplement les gars du coup sur un peu sur tout ce qui est thème de l'eau. Et franchement les potes, ça va être juste ouf. Et ensuite les gars, on aura comme un gros de coup de vent qui va peut-être les gars justement nous faire un tsunami entre l'eau et le vent. Ça pourrait être comme assez stylé. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En sachant que les gars, dans les fichiers du jeu, on a pu trouver qu'on devra nager dans l'événement. Tout simplement on sera un petit peu dans l'eau, et on devra nager sous l'eau les potes. Et tout simplement on a trouvé des animations pour cela. Et du coup les gars, je vous montre directement ça à l'écran. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et comme vous pouvez le voir les potes, on peut retrouver pas mal de choses, dont du coup les gars des animations comme si on nageait dans l'eau. Donc moi je trouve ça quand même assez stylé. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et comme vous pouvez le voir également, on a pu trouver justement une mise à jour assez petit mouvement. Et franchement les gars, dès qu'il y a directement quand on voit tout ça, bah on se demande du coup les gars qu'est-ce qui va arriver à la carte de Fortnite. Parce que du coup les gars, si on est seulement sous l'eau, ça veut dire qu'on aura un tsunami. Et si ce tsunami vraiment immerge toute la carte, et bah après les gars, où on va se loot, où on va aller, bah je ne sais pas du tout. Bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite les potes, on va directement passer à tout ce qui est au niveau des images qui ont été trouvées directement dans les fichiers du jeu. Et vous allez voir les potes, il y a pas mal de choses. Du coup les gars, déjà pour la première chose, c'est vraiment très simple, je vous montre directement cette image à l'écran. Comme vous pouvez regarder sur cette petite image, on peut directement retrouver la genre de salle de réunion de Midas qui a totalement été cassée. Comme vous pouvez voir les gars, on peut retrouver du coup des murs qui ont totalement été brisés. Donc je pense les gars que le tsunami va pas non plus être très petit. Voilà, je pense qu'il va être vraiment assez conséquent. Et tout simplement les potes, on a déjà ça qui va être un peu détruit. Ensuite les gars, simplement la personne a réussi aussi à mettre l'agence directement à Pleasant Park. Et sans les gars, ça on s'en fout hein, que c'est à Pleasant Park. C'est surtout les gars pour voir les dégâts que ça a causé. Donc les gars, là vous voyez à l'écran, il y a comme un gros trou qui s'est formé. Donc bah, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au niveau de tout ça. Et tout simplement les potes, on n'a pas non plus que cette image qui a été trouvée. Parce que oui les potes, là on peut voir du coup que ça a été totalement cassé. Voilà, le bâtiment vraiment principal a totalement été cassé. Mais aussi les gars, on peut retrouver d'autres petits screens. Du coup les gars, je vous montre aussi un autre petit screen à l'écran. Et tout ça les gars, sur ce screen on peut directement retrouver pas mal de choses aussi sur l'agence qui a été encore cassée. On peut voir encore pas mal de murs qui ont été cassés. Donc en fait c'est même pas la même, c'est même pas encore dans le même bâtiment en fait les gars. C'est totalement à l'opposé des autres dégâts que je vous ai montré juste avant. Et en fait les gars, tout accumulé, je pense que tout simplement l'agence va totalement, ou voilà, elle va être en ruine justement à la fin de cet événement. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En sachant que les potes, on n'a pas non plus que ça qui a été justement trouvé. On a aussi les gars un quatrième petit screen qui là nous montre un peu en globalité comment ça se passe de vue d'au-dessus. Donc là, les gars, vous voyez aussi le petit screen à l'écran. Et tout simplement, les gars, comme vous pouvez le voir, à ce petit screen, on peut directement retrouver l'agence qui a totalement été cassée encore une fois. Et là, les potes, voilà, ça, franchement, gars, je pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Et c'est vraiment, on va vraiment être assez apocalyptique comme on a pu le voir juste avant. Ensuite, les potes, on va directement passer à la récompense totalement gratuite que vous pouvez récupérer en regardant l'événement. Et puis, les potes, tout simplement, il y aura une petite récompense à récupérer pendant cet événement de l'apocalypse.
Apocalypse. Du coup les gars, logiquement ce sera une petite émote. Du coup les gars, cette émote a été directement trouvée dans les fichiers du jeu. Donc pour l'instant directement elle est encore encryptée, donc on ne peut pas avoir du coup d'informations supplémentaires. Mais on sait les gars que ça sera un événement en rapport avec l'eau. Et du coup les gars, ça devrait se passer sur Fortnite. De toute façon les gars, restez bien actifs, parce que oui les potes, voilà les gars, la petite émote sera disponible que pour les personnes qui regarderont l'événement en direct. Du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment rester actif sur Fortnite. Donc voilà les gars, de toute façon je vous tenirai au courant dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les gars de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, parce que franchement les gars, Fortnite nous donne toujours énormément de récompenses pour les événements. Et là les potes, je pense que ça y est, depuis 2 ou 3 saisons qu'ils nous ont pas fait de réel événement du coup pour la fin de saison. Et franchement les gars, là je pense qu'ils vont envoyer vraiment du lourd. Du coup bah restez bien actifs sur Fortnite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications, de liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez surtout pas les gars du coup de commenter votre pseudo Epic Game pour tout simplement les gars du coup gagner un petit skin de la boutique. Moi les potes, je vous laisse là-dessus et je vous dis bye les gars.